Nous jeudi à mardi 19 mars 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cabane capable pour pour deuxième sortie téléjournal là pour semaine. Si là, donc c'est déjà un appel souhaité tout le monde par son excellente journée mardi. Mes principaux points qui me font essentiel le journal là pour jeudi à toute disposition déjà prend pour bon déroulement reste examen l'état d'après ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle là Pierre Josué Génor Kader qui est intervenu dans la 46e conférence lundi de la presse dans le ministère de la communication hier lundi 18 juin 2018 là. Ministère touriste n'a tête collé avec ministère haïtien cap vive l'autre bord de l'eau avec support premier ministre Jacques Guy Lafontaine lancé première édition Haïti été 2018 activité ça visé faire promotion pour potentialité touristique dans le grand nord pays. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et ministre Travaux publics La Fritière Kayo visité plusieurs chantiers dans le département Nord pendant le week-end qui se passe là. Visite ça au fait dans le cadre de caravane changement. Et à l'échelle internationale, nous prenons dans le pays Colombie pour nous faire connaître le nouveau président colombien Iván Duque promet pour porter correction dans l'accord qui était signé entre président sortant colombien Juan Manuel Santos avec force l'armée révolutionnaire colombienne. À quoi ça a été arrivé joindre dans l'idée pour mettre bout à environ un demi-siècle bataille dans le pays Colombie. Et dans le pays Canada, on a peur gain pour nous former pour nous faire connaître un pays Canada venu premier pays groupe dans groupe G7 là qui légalise l'utilisation cannabis. Député canadien a voté projet loi si là à Kyonval 205 voix contre 82. C'est ensemble point ça va camper l'autre cap pour faire essentiel journal là pour jeudi mardi on a pas vite rester branché chez nous là. On a tourné dans quelques secondes tant pour pas déplacer. Notamment parce que Bactaman a dans réfléchir dans mayo. Nouveau sur les réfléchir dans mayo, c'est seulement un bac régulier. À cause de pile problèmes nous avons rencontré dans le moment inscription, surtout avec un pile l'école retardataire. Donc, en pile l'école, il y a un débat en calendrier pour respecter ou pas respecter. Laisse ça, nous obliger de temps en temps à reporter pour vous. C'est ça que nous venons là. Mais je pense que d'ici tard, eh bien, tout reste candidat régulier dans l'Ouest, il y a bien fiché pour y aller composer. Responsable d'un ministère invité candidat yo respecter consigne pour faciliter bon déroulement examen yo. Aucun candidat pas doit entrer dans centre examen yo exam. Uniforme non obligatoire pendant épreuve yo. Utilisation calculatrice programmable avec l'autre appareil communication formellement interdit. Téléphone non joue un rôle important dans échec timoun yo. Anessa, nous souhaitons que parents yo ban nous gros coup de main dans ça. Nous disons et nous clairons. Aucun candidat n'a pas le droit de venir composer avec téléphone. Tout candidat qui te téléphone nous n'a pas. Soit un candidat ou son policier ou pas doué venir avec ZAM du tout dans cet examen. Ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle la fait connaître épreuve anticipée en français pour élèves qui dans secondaire 3 a fait mardi 19 juin 2018 là à partir 9h matin dans l'école respective élèves yo. Pour première journée examen baccalauréat lundi 25 juin, nouveaux candidats à candidat recalé pour philo A, C et D a composé dans dissertation philosophique et biologie. Merci avec collaboratrice non Rachel Seyfort qui t'a présenté nous compte rendu ici là. N'a pas toujours été dans ça qui vient pour avec dossier éducation pour nous faire connaître. Ministre éducation nationale avec formation professionnelle a rappelé tout le monde et spécialement candidat qui consigne yo doit observer dans examen baccalauréat qui a fait candidat qui a mauvais comportement y a éliminé yo ou pas capable participer dans examen officiel pendant deux années. Aucun candidat pas droit rentrer dans sa classe avec examen quelque que soit qualité à tout candidat doit mettre uniforme pendant déroulement tout examen et puis pas bien droit rentrer avec appareil communication dans salle examen. Seul responsable centre examen qui a pas bien droit pour utiliser téléphone pendant déroulement épreuve. Nous avons annoncé dans différents titres, le ministère touriste, dans la tête coulée avec le ministère haïtien qui peut vivre dans le pays l'autre bord de l'eau, avec le support premier ministre Jacques Guy Lafontaine, lancé première édition Haïti été 2018. L'activité ça vise à faire promotion pour potentialité touristique. Grand Nord, on a prévu de suivre un reportage avec collaborateurs d'Aline Dorival et puis Grégory Misna. La diaspora à la découverte du Grand Nord, c'est sous thème ça. Ministère Touriste lancé première édition Haïti été 2018 dans plage Cormier sous route Labadie. Dans l'occasion, ministre Touriste
Colombe Émilie Jessie Ménos, invité diaspora haïtienne et population locale, vient explorer divers sites touristiques et naturels qui font fierté Grand Nord. Son point clé pour nous rassurer à pour nous là, pour nous éviter la diaspora, pour nous retourner dans le pays, on va découvrir toute richesse qui est dans le pays. Ça. Et pour nous monter toute fierté, tout ça que nous gagnons dans le pays, parce que nous la gouvernement ça là, nous avons tous les collègues qui sont là pour nous. Nous travaillons sans arrêt, ils arrachent pour nous capables de payer ça sur notre niveau. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine rappelé l'importance Grand Nord gagné dans l'histoire du pays d'Haïti, pendant qu'il invité tout Haïtien ici ou l'autre bord de l'eau, venir explorer la richesse du pays et puis encourager la production nationale là. Jacques-Guy Lafontaine dit que le gouvernement prend toutes dispositions pour garantir la sécurité pendant la fête champêtre. Nous-mêmes Haïtiens, qui vivons en Haïti, faut nous sortir de petits points à nous pour aller explorer le pays. Parce que parfois, étrangers, ils ont le pays en plus passé. Étrangers, ils ont toute plage, ils ont toute grotte, ils ont tout site. Touristique, nous avons tout site historique. Comme si nous, moi-même avec famille, chaque année, j'ai visité mon département dans le pays. Et là, je parle avec le président Jovenel Moïse, il dit lui-même tout. Chaque année, j'ai visité mon département dans le pays. Et ce n'est pas par hasard que le président Jovenel Moïse, il compte toute rivière, il compte tout site, il compte tout. Ville dans le pays d'Haïti. Et c'est ça que je veux dire, les villes avec conviction pour nous capables de changer la vie, pour nous capables de vivre en Haïti. Nous-mêmes, Haïtiens, qui sommes à l'étranger, le message que nous avons adressé à nous à souhait, en pile fois, à travers les médias sociaux, en pile mauvais bagage à parler de Haïti. On dirait que le monde qui a plaisir pour dire le mal d'Haïti. Mais Haïti, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas vrai, côté négatif. Non. Haïti a beaucoup plus de choses de positif que de négatif. Mais évitez-nous pour nous venir. Pour nous venir, ouais, changement qui est en Haïti actuellement. Pour nous venir, ouais. Détermination que des femmes avec des hommes le gagnent, n'est-ce pas vrai, pour le carrefour de l'autre pays. Faut nous venir pour petit nous, qui peut être levé dans un pays étranger, pour le carrefour de racine, pour le carrefour de pays, pour le carrefour de race, pour le carrefour de histoire pays. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement de la République, nous allons prendre toutes mesures nécessaires pour nous garantir la sécurité dans le pays. Et nous connaissons que Jean-Ministre Touriste Sotila, nous allons tomber dans la fête champêtre. C'est l'occasion pour chaque Haïtien qui est originaire de ville. Première édition Haïti été 2018 là témoigne engagement administration Moïse à gouvernement Lafontaine à travers ministère tourisme. Merci avec collaborateur Grégory Misna et Daline de Rival. Sous initiative la présidence, une course bicyclette organisée dimanche 17 juin passé à Neuville Cap Haïtien. Participants eux saluent l'initiative ça qui a permettre d'après ça que dit mettez athlète en valeur. N'a pas invité à suivre un reportage avec Richardson Joudin et puis Lord Ali Jean-Jacques qui était sur place. Sous un cycliste qui était participé dans la course bicyclette là, c'est Evagno Exilis qui finit en première position. Elisma Elisma en deuxième. Alors que Jean-Ménio Meïs finit en troisième position. Koussa, qui était démarré bon 4 dans l'après-midi, te permet cyclistes de faire 6 tours, sortir sur le boulevard et puis faire une grand ri. Alan Jacques, qui est un organisateur, c'est une initiative qui fait une façon pour bailler pour ça. J'arrête. On nous dit que c'est pour la première fois parce que son domaine qui était campé. Il y a plus de 11 ans à 12 ans, côté que pas jamais bien compétition ça fait. Nous la présidence campée pour mettre le mouvement ça en action dans le moment. Je félicite la présidence pour ça. Evagno Exilis qui remporte la course là, dit c'est grâce à bon gens préparation qui permettent de gagner la course bicyclette là. Lui souhaite encadrer tous les cyclistes qui gagnent dans la zone là.
Moi félicite Nabil pour l'initiative ça et me voye beaucoup de chapeau à la présidence parce que c'est lui même qui sponsorise et m'a dit avec toute détermination sponsoriser activité ça dans le département Nord parce que son discipline qui est très belle en pile et avec en pile l'autre belle discipline encore qui gagne à part de ça on a fait en pile chauffe pour chaque jour nous pas même qu'à performer dans yo n'a dit nous grand pile jeune talentueux qui gagne dans le département ça dans discipline ça et pas seulement dans le département ça dans divers côtés dans le pays en tout ça veut dire son gros bagage n'a fait là côté que n'a mettre sport discipline cycliste là en action a montré athlète yo que nous pensons avec Evanio Exilis qui gagne course là recevoir 50,000 goud deuxième là qui c'est Elisman joint 30,000 goud alors que troisième là Jemen Yomis bénéficier 20,000 goud. L'autre information dans le journal là pour le ministre Jacques Guy Lafontaine qui est ministre des Travaux publics là, Fritier Kayo, visité le travail qu'a fait dans la route Fort Saint-Michel samedi 16 juin passé. Travail ça a fait dans la ville Cap Haïtien. Série travail ça yo qui fait dans cadre caravane changement pas loin rivé dans route yo d'après une responsable n'a pas invité suivant Rodney Dorlier avec Grégory Nisma qui a présenté nous un reportage nous suivant ça. Visite sa fête dans l'idée pour fournir j'ai gardé dans quel niveau travail qu'a fait dans route Fort Saint-Michel l'arrivée. Réalisation route ça pour permettre moun dans zone ça circuler sans difficulté pour y régler activité yo. D'après premier ministre là Jacques Guy Lafontaine qui pile loin féliciter population hein, pour collaboration yo dans cadre travail ça. Président Jovenel Moïse dans camp parler, il était promettre travail, c'est travail équipe nous a travail. Faut me dire nous que travail qu'a fait là dans Fort Saint-Michel son bagage qui est très original. C'est ça où est long partenariat public, privé et communautaire. Public, nous gain le ministère des Travaux publics, c'est lui-même qui est ministère de tutelle là, à travers la caravane du changement, côté que les bails toute régulation qui gens que route ont fait pour construire. Mais en même temps, ou gain des entrepreneurs tout. Mais entrepreneurs qui sortent dans racine peuple dans même genre avec Black, même genre avec un bon autre jeune qui gagne là. Et communautaire pour qui ça? Parce que communautaire, les participer là-dedans. Les participer qui gens. N'a pas que mon yo tellement content que travail là fait. C'est eux même qui craser caillou pour yo bay route, place pour construire route. Ou après que gagne de monde qui porter de l'eau pour monde qui travaille. Et travail ça son travail qui fait 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quel que soit moment qu'on vient là dans zone Fort Saint-Michel, ou a besoin peuple dans cap travail, ou a besoin de entreprises, de petites entreprises cap travail et ou a besoin des cadres du ministère des Travaux publics qui là cap superviser ça cap fait. Fort Saint-Michel parcelle zone qui est en chantier dans le département Noa. Ministère des Travaux publics à travers caravane changement a travaillé dans plusieurs zones dans le département ça d'après ministre TPTC Fritz Kayo. Ce qu'a fait là l'a fait dans tout pays. L'a fait dans Kafoujof vers Port de Paix. L'a fait au niveau de et dans Gandance et côté n'a intervenu sous de Kafouchal n'a fait près de 65 km de route partant de Kafouchal vers Corail Benagous et Pestel et Pestel et Kafouzaboka. Donc on regarde tout ça, c'est ça n'a fait dans ville Okaï. Donc ça que on a fait là sont une sorte de répétition que n'a fait au niveau des 10 départements. Actuellement, on regarde au Cap Haïtien, nous avons 6,2 km cap sorti et de Kafoumina arrivé et Barré Batan. Et nous avons 30 km à faire là au niveau de et Kankok Vaudreuil. Et aujourd'hui, où nous avons Fort Saint-Michel et donc une zone baron que nous avons intervenu. Donc ça, voilà, c'est toi qui es là, Charader, donc nous pas camper. Mon zone Fort Saint-Michel pas caché contentement yo pour travail ça. Plusieurs là-dedans yo choisi de travailler volontairement, yon manière pour travailler là plus rapide. Merci avec collaborateur nous. L'autre information alternative insurance company en tête collée avec direction protection civile et puis alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités réalisées samedi 16 juin passé à Pétionville finale deuxième édition concours d'étape organisé. Concours ça qui était déroulé sous protection environnement réduction risque catastrophe dans cadre projet préparons l'avenir avec participation plusieurs écoles. Winner Jean-Louis avec Michel Joseph dis-nous plus dans compte rendu. Lycée Justin Lérisson en sa fouleur, École nationale Guimalari Inch, Collège Mix Le Phare Bellance, c'est toi l'école Sayo qui fait finale deuxième édition concours sur protection environnement
ak réduction risque côté yon cinquantaine l'école te participé. Concours ça visé sensibiliser l'école yo et puis permettre élèves yo impliqués dans protection ak gestion environnement d'après responsable projet a Sabine Osnar qui promettent pour continuer à accompagner l'école SAYO. Projet SAYO, c'est des groupes de projets que nous commençons à financer. Année ça, projet que Timon s'est présenté, c'est des projets de sensibilisation. Gagné l'année qui prend des actions. Gagné durée, c'est 3 mois. Gagné durée, c'est 6 mois. Donc chaque projet gagne une limite pâle. Donc tout projet, yo, tous les trois sponsorisés à hauteur de $5,000 chacun. Et normalement, premier a gagné un petit craspi plus, donc l'école labral dit, mais qui l'autre bagaille que tu as besoin pour l'encadrer l'autre élève, yo, un support pour l'école là. Et deuxième, dans tout, gagné un petit craspi plus, justement, dans même cadre ça, pour dire, mais qui ça a besoin comme support, nous-mêmes pour nous connaître qui j'en a débloqué fonds yo, pour chaque partie que yo pral gen pour exécuter dans le projet a, et pour encadrement tout que yo pral bail pour rester l'école. Le projet en général, c'est un projet qui autour de $30,000. Faciliter un système de prévention dans la communauté yo, et puis bah, accompagnement technique à toute institution qui travaille pour protéger l'environnement, c'est engagement coordonnateur direction protection civile là, Emmanuel Pierre, qui exprime satisfaction pour l'initiative ça, d'après lui, qui permet aux jeunes dans tout pays arriver sensibiliser et impliquer yo dans la protection de l'environnement. Et au cas tout projet, voilà, c'est des projets qui ont un objectif prévenir et des populations à prévenir. Une gros satisfaction, c'est parce que c'est des écoles qui, pas seulement l'école qui est dans la zone métropolitaine, qui est dans Port-au-Prince, mais des écoles qui sont dans l'arrière-pays, côté qui est loin dans le pays. Daniel Virland, élève 9e année lycée Justin Lérisson, l'école qui remportait premier prix, promet de sensibiliser l'autre jeune dans la communauté la vivre sur la question environnement. Depuis nous sommes la caille, nous avons gagné le concours parce que nous avons fait un pile d'effort et nous avons vraiment préparé pour nous être capable de gagner le concours. Les cyclones, les catastrophes, un pile de monde qui est victime, même là, puis qu'on tombe, un pile de monde qui est mort, mais avec le projet, ça nous met sous pied. Ça va le faire, nous ne pas mourir et nous ne pas quelqu'un contre. Toi, l'école finaliste, après ces voyants chèques, avec l'autre matériel qui pourra permettre d'exécuter le projet. Nous prenons un parlement ici. Pour une fois qu'on a un président de la commission économie et de la finance dans la chambre des députés, Dorfeu Gandhi, fait qu'on a une commission écrit au gouvernement et une correspondance dans l'objectif pour demander à toutes les ministres qui dans le gouvernement un rapport sur des postes qui fait dans le budget 2017 à 2018 là, avant de déposer le budget rectificatif avec le budget 2018 à 2019. Là. D'après le parlementaire, la décision ça après permettre aux jeunes moyens pour mener enquête sur ensemble des dépenses qui fait dans le niveau gouvernement et puis contrôler le travail chaque ministère qui compose le gouvernement. N'a pas vite aussi un extrait dans Miko Kolo Eliezer avec Moïse Lutch. Commission économique et finance prend des décisions avant que le budget arrive ici, qui a une correspondance qui a adressé aujourd'hui même au ministre des Finances pour que tout ministre qui a un COB qui a exercé dépenses pendant son budget 2017-2018 pour transmettre rapport à la commission finance. Donc pendant que le rectificatif a privé, 18-19 a privé, la commission prend décision pour que l'écrit ministre finance en correspondance pour le ministre finance là demander tout ministre pour voir rapport dépenses qui ont été faites. Nous sommes déjà arrivés dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. Là, je viens d'annoncer les différents titres. Nouveau président colombien Ivan Duque promet de porter correction dans le dernier accord qui était signé entre un président sortant pays colombien Juan Manuel Santos et Foucault. Nous avons invité à suivre un reportage avec eux. Nous avons plus de précisions. Élu haut la main en Colombie, le nouveau président Iván Duque prendra ses fonctions en août prochain. Issu de la droite conservatrice, il promet de corriger l'accord de paix avec les FARC, qu'il juge trop laxiste envers les anciens chefs guérilleros. Un discours qui fait mouche dans un pays marqué par un demi-siècle de conflits, mais pour cet enseignant en géopolitique touché à l'accord de paix, c'est rouvrir la boîte de Pandore. Pays Canada a venu premier pays dans le groupe G7 là qui légalise l'utilisation du cannabis. C'est un projet de loi qui a pu entrer en fonction pour 10 mois, septembre 2018. Là, on va vite suivre. Un reportage toujours avec ONU pour plus de détails.
Le Canada s'apprête à devenir le premier pays du G7 à légaliser le cannabis. Les députés ont voté ce lundi le projet de loi qui autorise la consommation et la production de cette substance. Un vote par 205 voix contre 82. Le texte a été renvoyé au Sénat qui l'avait déjà amendé, mais la Chambre haute ne peut en aucun cas en bloquer l'adoption. L'usage médical était déjà en vigueur depuis 2001. Cette fois, la culture à domicile sera autorisée dans une certaine mesure. Il s'agit d'une promesse de campagne de Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien compte ainsi écarter le crime organisé de ce marché qui pèserait près de 4 milliards d'euros et permettrait accessoirement de renflouer les caisses de l'État. La légalisation devrait être effective dès le mois de septembre. Voilà, c'est l'information qui vient d'un bout de mais juste avant nous aller, nous rappelons un simple qui était essentiel. Le journal a maintenant toute à disposition déjà prêt pour bon déroulement et exercice examen l'État ou d'après le ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle, là, professeur Pierre-Josia Junior Cadet, qui est intervenu dans la 46e conférence lundi de la presse dans le ministère de communication, hier lundi 18 juin 2018. Là. Ministère tourisme n'a pas collé avec le ministère haïtien cap vive l'autre bord de l'eau et puis support premier ministre Jacques Guy Lafontaine lancé première édition Haïti été 2018 activité ça a visé faire promotion pour potentialité touristique grand nord pays a. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec le ministre travaux publics Lafontaine Kayo visité plusieurs chantiers dans le département nord week-end qui s'est passé là visite sa fête dans le cadre des caravanes changement. À l'échelle internationale, nous avons informé un nouveau président colombien Iván Duque promet pour porter correction dans l'accord qui était signé entre le président sortant colombien Juan Manuel Santos et le First Army révolutionnaire colombien. À quoi ça a dérivé joindre dans l'idée pour mettre bout à environ un demi-siècle de bataille dans le pays Colombie. Pays Canada a fini premier pays dans le groupe G7 là qui légalise l'utilisation du cannabis. Député canadien a voté projet loi SILA avec une valeur 205 voix contre 82. Si ensemble, on s'en prend ça, on qui te fait essentiel le journal là pour maintenir, on a invité à rester branché chez nous pour capable de suivre la programmation. Quant à nous-mêmes, on a cassé rendez-vous pour demain matin pour l'autre sortie de le journal là, mais on a souhaité passer une très bonne journée de mardi sur la 8.